On va commencer par le tout premier jeu Sonic que j'ai joué dans toute ma vie. Le premier jeu de Sonic sur Sega Mega Drive. Allez, bien sûr, start. Sega! Fameux Sega. D'abord la démo, mais bon. Ce fameux jeu de Sonic, c'était un jeu de plateforme où on contrôle le hérisson bleu et a sauvé le monde du fameux et du horrible Dr. Robotnik. Ah, grâce à sa vitesse et sa mille, comment ça vous dira. Sa capacité d'être en boule permettra d'abattre les robots de Dr. Robotnik. Moi, je veux dire, je vais sauver le monde. Allez, on commence le jeu. Sonic Team. Fameux Sonic. Ce qui est très étrange. Ah oui. C'est très important d'avoir les anneaux. C'est un objet vital dans ce jeu. Par contre, contrairement au jeu à la suite, il ne peut pas faire un sort de speed dash sur appuyer sur en bas et appuyer sur le bouton B ou d'autres boutons pour faire l'accélération. Mais là, il faut faire juste des élans et appuyer en bas sur le bouton bas. Lorsque j'avais le jeu original de la série Sonic, la musique n'était pas très lente comme ça. Elle était bien plus rapide, je crois que c'est moi jouant au jeu qui se trouve sur... Et là, il y a plein de rings. Et t'as 509! J'ai le 509! Alors, lorsque nous avons plus de 50 anneaux, il doit y avoir un très gros anneau quelque part. À la fin. Et quand on saute dessus, on va à la spéciale zone! Je voulais dire. Lorsque j'avais la Sega Mega Drive, l'ancienne, la musique est bien plus rapide que ça. Là, on se trouve dans la spéciale zone avec les anneaux. Et là, c'est d'avoir la Emerald. Qui est donc un objet très important dans la série Sonic. Lorsqu'on a reçu les 7 anneaux, dire les 7 Emeralds, ouais, on peut se transformer en un super saiyan de Sonic. Et je l'ai eu. Tada. Et lorsqu'on attrape les 50 rings, 50 anneaux dans un niveau bonus, on aura un continu de plus. Et lorsqu'on est dans la version plateforme du jeu, lorsqu'on récupère 100 et 200 rings, on obtient une vie de plus. A savoir aussi que cette musique est aussi remixée dans un jeu de Sonic Advance sur Game Boy Advance. Qu'est-ce que ça fait si je touche un ennemi? Oups. Alors que je suis pas en boule. Je perds tous mes anneaux et je dois les récupérer avant qu'elles disparaissent. Ah oui, je m'en souviens de ce niveau. Oh purée. Ah, la fameuse télé. Oui. Lorsqu'on capte les télé, sans. On obtient un bonus là, c'est la visibilité. Là, je peux faire un bonsaï. Oups. Sonic n'est pas immunisé au trou à ces modes-ci. Par contre, j'aimerais bien savoir comment avoir. Je voulais dire avoir la vie qui se trouve là-dessus. Apparemment, il faut beaucoup plus d'élan. Il y a aussi une sorte de technique aussi.
Lorsqu'on est sur la loupe et qu'on saute, on obtient une vitesse bonus. Enfin, c'est... C'est cette technique... C'est cette technique-là qu'on peut accélérer à partir des loupes. Ces fameuses loupes. Sonic Control... À se dire. Sonic... Bah la gravité. Voilà. Là c'est télé, c'est pour gagner 10 anneaux. Pourquoi des télés? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi des télés? Anna! Non, 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 non! Yes! Ah oui. Ça fait longtemps ça, parce que moi j'ai l'habitude de jouer au jeu de Sonic 2. Alors que là il y a que 3 niveaux et dans la dernière contient le boss. Là c'est pour modifier la vitesse de rotation, attention. Ah non non non, pas là, pas là, non non, ça va m'arrêter ça. Attention, Ugis, Aonis. Arrêtez avec les R. Roland, 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 sans film, Roland. C'est référence, hein. Wow. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Attention à la gauche, sinon ça va arrêter. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ne me fais pas reculer, s'il te plaît. Là, lorsque cette musique apparaît, on a gagné une vie de plus. Je veux dire, un continu de plus. Ok, l'émeraude jaune, viens à moi. Yes. Eh ben. Et un continu de plus. Excellent. On a combien de vidéos là? 7 minutes. Purée. Allez, le troisième. Et la dernière. Et là-haut se trouve la fameuse invisibilité. Youhou. Les méchants viennent comme ça. En bas, il faut utiliser le spin dash. Oh, il y a quelque chose là. Ah ah ah, la fameuse télé. La fameuse télé pour l'accélération. Vas-y, Sonic. Ces fameuses troncs d'arbres épineux. Voilà. Il y a pas mal de sauts qui se cassent dans les derniers les palmiers. Et le boss. Là, on peut l'attaquer d'abord. Salut, Robonic. C'est ça que t'as dans le ventre, toi? T'es pas très intelligent, tu devrais voir un QI de 300, hein. Ainsi, comment le bas? Yikes! Boum. Pour cette fois, faut te montrer très intelligent, Roboknuk. Je t'aurai. Boum. Et après tout ça, on va libérer des petits animaux. C'est parce que Robonic utilise les animaux pour faire des robots. Et ensuite, on se retrouve à la Marble Zone. Et c'est là qu'on se termine le gameplay de Sonic le Hérisson de la lave. J'ai envie d'un petit peu jouer un petit peu parce que ça me plaît le jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Sonic sur Sega Mega Drive. Au revoir et à la prochaine !